Après 72 heures de mission à Kinshasa, Fifima Suka Saidi est de retour à Kolwezi. Elle a reçu des instructions fermes de la part du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut que les richesses minières du Lualaba contribuent réellement à l'amélioration des conditions de vie de la population, ajoutée à ça la construction des infrastructures modernes. Après 72 heures de mission à Kinshasa, la capitale, Fifi Masuka vient d'atterrir à Kolwezi. Elle a reçu des instructions fermes de la part du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour que le peuple lualabé jouisse réellement de ses richesses minières. À ma descente, le soir, j'ai été reçu par le chef de l'État en présence de ses collaborateurs et je lui ai brossé, je lui ai donné les résumés de ce problème, de cette problématique que nous avons par rapport à la société Sicomine. Et il nous a instruit avec son conseiller spécial afin que nous puissions travailler, n'est pas pour mettre en cause le contrat chinois, mais pour voir les possibilités dans lesquelles la province peut avoir part à cette grande société, à ces grands projets. Sans tarder, l'autorité provinciale s'est directement rendue à l'hôtel du gouvernement où elle a procédé à la restitution à l'intention de son équipe gouvernementale et d'autres responsables de la province. Son adresse s'est basée sur la ferme volonté du chef de l'État qui veut que les richesses minières du Lualaba contribuent réellement à l'amélioration des conditions de vie de la population, sans oublier la construction des infrastructures modernes. Le chef de l'État a été très clair. Il nous a dit que nous devons rentrer et qu'il nous faisait totalement confiance et qu'il savait que nous allons réussir parce que nous sommes les représentants du chef de l'État, du gouvernement central dans nos provinces et c'est par nous que lui y travaille pour le développement du pays. Après son cabinet, Masuka Saini Fifi était sur terrain pour inspecter les travaux de construction du pont qui devra relier l'avenue Ungungandu à la route Kazembe. Les engins de l'entreprise Muska travaillent nuit et jour ici pour ériger un pont qui va complètement désenclaver cette partie du territoire de Muchacha. De quoi réjouir énormément les habitants. Masuka Saini a été ovationné par la population qui voit en elle l'amour et la volonté d'une femme exceptionnelle, toujours prête à servir sans relâche ses compatriotes.